Salut Océan! Voici Captain Flair de SF, plus connu sous le nom de Champion MZ. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur la légende du Captain Flair de SF. Ma légende, dans le fond. Ouais. Non, plus sérieusement, c'est la suite de la série. J'écris une histoire avec vous. La série avec laquelle, dont vous me donnez les idées et moi, je vais les appliquer. Certaines idées qui étaient mentionnées depuis le début n'ont pas encore vu le jour. Mais inquiétez-vous pas, ils vont voir le jour. Un jour, bien sûr. Bon, là, en ce moment, nous sommes sur Wattpad. Ce qui est un site internet dont puis une application aussi. Dont vous pouvez écrire des histoires comme que vous voulez. Désolé s'il y a des fautes, je m'en fous pour l'instant de corriger les fautes. Non seulement je vais le faire, mais pas tout de suite. Premièrement, écoutez la prochaine vidéo qui est Clash of Clans, le spécial Halloween, parce qu'il va y avoir quelques nouvelles importantes. Ouais. Parce que concernant pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine complète, voire un peu plus d'une semaine. J'ai fait samedi, 8 jours. C'est, on va dire, une semaine complète sans vidéo. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Et cette fois-ci, par contre, ce n'est pas involontaire, c'est volontaire. Et je vais vous expliquer le pourquoi que j'ai décidé de ne pas faire de vidéo pour cette semaine-là. Sinon, petit problème technique que je sais pas si vous avez remarqué ou non, mais un petit problème technique qui fait en sorte que certaines vidéos n'ont pas sorti. Et je vais plus vous en parler encore là sur Clash of Clans. Pour qu'est-ce qui est du Captain Flair de l'essai, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, j'ai continué l'histoire. On se souvient dans la dernière vidéo. Non, depuis le début, on a coulé quelques navires. Puis ensuite, on s'est rendu à l'île des pirates. Assez rapidement. Là, j'ai une idée jusqu'à date quelle direction on va prendre l'histoire. Là, on s'en va à une réunion. On n'a pas encore été dans la réunion, dans l'agora de un agora qui est une place publique en forme de cercle. Je peux vous dire, c'est ça un agora qui était appliqué depuis l'époque antique. Ouais, avec Athènes, ils utilisaient des agora. Ouais, même aujourd'hui ça existe, les agora. Ensuite, par contre, nous avons rencontré Captain Barbe d'Érable. Nous avons aussi rencontré Captain Nature, deux autres filles, dont leur nom c'est Serna et Molly. Puis nous avons rencontré aussi Captain Moustache, puis peu importe. Puis qu'est-ce qui va arriver pour ce chapitre 3? Nous sommes alors à l'aube et nous sommes attendus à l'agora de l'île. Captain Nature vient me voir dans mon navire et rencontre les deux filles du navire de Lys. On parle un peu, mais il faut aller à la réunion de la nuit à l'aube. Il y a eu des navires, c'est sûr que. Je crois que peut-être les phrases sont mal construites, je corrige ça à la fin complètement. Il y a eu des navires galions qui ont poussé comme par magie. C'est étonnant que nous n'avons rien entendu. Probablement que nous étions toutes morts, que cette nuit nous a fait le plus grand bien à tout l'équipage. Mort de fatigue. Ça serait bien rajouter ça. Une fois le Gora, il y a plein de pirates, dont c'est tous des capitaines.
Je vais vous dire, pourquoi que je filme aussi juste l'écran et non moi en train de lire. Pas pour faire changement, je pense là, parce que ça peut faire changement. Est-ce que ça vous intéresse mieux comme ça ou de l'autre format? Je vous laisse déterminer ceci, mais la raison c'est laquelle pourquoi je filme de même. Bon, je vais vous dire la grosse raison dans la prochaine vidéo, dans 3 jours, qui est le 31 octobre à l'Halloween, pour le spécial Clash of Clans spécial Halloween. Puis l'autre, le qui est en lien avec ça, c'est bon, j'ai pas mon trépied, mais qui est en lien avec la grosse raison pourquoi j'ai pas mon trépied. Je vais tout vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Puis la mise à jour de Halloween est à commencer. J'ai hâte de la voir. Captain Ferdelis, toi qui coule. C'est ça. Toi qui coule tous mes navires. C'est qui parle? Ah. Faut lire. Je suis fatigué en ce moment pour ça. Que je ne le dis pas. Probablement. Capitaine Barbe Noire, toi qui n'as jamais compris que je suis plus redoutable que tous les pirates. Quand j'ai vu ton navire, l'intention de te couler, là était fort. Tu sais que si tu fais ça dans la zone, il va y avoir des sévères conséquences. Malheureusement, il se... Je suis fatigué que ça paraît. Je suis capable de... Dynamiquement, je suis capable, mais c'est juste mes yeux sont... ils sont fatigués. Malheureusement, si ça serait de ça, de ce règlement, je l'aurais fait. En gros, c'est... si ça serait pas de ce règlement-là, je l'aurais fait. Ah, et pour te corriger, j'ai juste écrit puis j'ai pas corrigé les fautes, juste pour vous dire. Je sais qu'il y en a qui vont me faire lire. T'écris peut-être fait plein de fautes, là, je m'en fous un peu, là. Et il va être corrigé à la fin complètement. Depuis que t'es capitaine, je souhaite vengeance depuis déjà. Depuis que t'es jeune, en passant, c'est un que qui devrait dire t'es jeune. C'était le... Je commence à insérer des comme vos idées. Je commence bientôt. Parce qu'il y en a un que. Bon, ça n'a pas été écrit un commentaire, mais. Ça, c'est un indice. De qu'est-ce qui a été proposé. Au lieu de vous disputer, on va commencer la réunion, dit le maire. Kira, le commandant du navire de l'essai, arrive pour demander une question au capitaine. La personne en charge de la surveillance de la réunion appelle Fleur de l'essai en disant que son commandant veut lui dire quelque chose. Fleur de l'essai hésite. Ok, Fleur de l'essai hésite. Encore, je suis désolé, je suis fatigué, là, vous allez comprendre dans la prochaine vidéo pourquoi. Mais le maire dit qu'il va attendre, qu'il revient avant de commencer et le capitaine va voir son commandant Kiran. Kiran, j'espère que tu viens me voir pour une bonne raison. Oui, alors que cette raison, je voulais vous demander l'autorisation de mettre le navire de l'Ys en cale sèche, car il faut votre signature pour le mettre en cale sèche. L'eau commence aussi à s'infiltrer. Ah oui, j'avais oublié celui-là. C'est une bonne raison. Je le signe et ensuite tu t'occupes de l'équipage pendant mon absence. Bien, capitaine. Ça se peut que je pense que c'est commandant. J'avais fait les corrections. Peut-être si j'ai pas fait les corrections, je ferai les corrections. Mais je pense que ça c'est le titre officiel pour Kira. Kira, si je te le demande, c'est quoi ton titre? T'es commandant dans l'histoire.
Fleur de Lessing y retourne à l'avenir. Kira amène le navire de Lys en cache-sèche pour qu'il se fasse réparer. Vous êtes de retour, alors on peut commencer la réunion. Vous allez devoir faire des kites. Qui ici n'a jamais fait de kite? Levez la main. Plusieurs capitaines lèvent leurs mains. Capitaine Fleur de Lys, je suis surpris que vous avez fait des kites. Du moins, je ne me rappelle pas vous avoir vu ou entendu dire que vous avez fait des kites, dit la mère. J'en ai fait bien plus que vous y croyez. Où donc? Toujours la mère, je supposais. J'ai fait de nombreuses kites dans une région lointaine qui ne figure dans aucune carte. Seuls de vrais pirates s'y trouvent et si tu prends cela à la légère, alors il y en a qui vont te le faire rappeler et te forcer à t'améliorer car tu le prends à la dure. Comment se nomme cet endroit? Je ne peux dire le nom de l'endroit car je l'ai promis. Pour ceux qui ne le savent pas, ici, nous organisons une ou plusieurs quêtes à chaque année. Cette année, il y aura deux quêtes. La première quête consiste à trouver un coffre au trésor dont vous aurez comme seul indice une énigme que je vais tout vous donner. La deuxième quête consiste à trouver un crâne dont le seul indice est dans les îles les plus proches. Et cela peut être dans toutes les directions à partir d'ici. Durant ces quêtes, vous n'aurez point le droit de couler un navire pirate. Et si ce ne sont pas un pirate, ok, alors vous pouvez y aller. Vous serez en équipe de 2 à 4 équipages. Et je vous laisse choisir vos équipes en évitant que Capitaine Barbe Noire ne soit pas avec Capitaine Fleur de Lys, car on le sait tous que Barbe Noire serait trop tenté de le couler. Merci, Monsieur le Maire. Ce c'est Barbe Noire qui parle. Je vous laisse choisir vos équipes et ensuite nous allons continuer les réunions. Ça, c'est pour une flotte ou un convoi. C'est un convoi qui vont de quelques navires qui vont faire. Il y a une chose que je ne comprends pas. Tu es le pirate le plus redoutable, le plus respecté. Tout le monde fuit de toi et tout ça sans que tu sois une terreur en mer. Je n'ai jamais compris ça. Cela. Par contre, ça, c'est un secret. Le capitaine Fleur de Lys demande au capitaine Nature de se rejoindre à son équipage. Et elle accepte sans hésiter. Capitaine Barbarabe demande de se joindre ici que capitaine la moustache. Capitaine Barbe Noire et de Chêne se sont mis ensemble pour la durée de la quête. Capitaine de Lys, dit la mère, quand j'ai dit que j'étais surpris que tu aies déjà fait des quêtes, c'est vrai. La vérité, c'est que j'ai appris de grands pirates qui étaient très redoutables, sans exception. À chacun coule un navire à eux tous, et j'ai appris de eux, et c'est pour cela que je suis si redoutable, et moi aussi je suis capable de couler un navire à moi tout seul. Ça, je le sais, tu me l'as démontré personnellement. Avant de devenir mère, j'étais pirate et tu étais seul. Nous autres, on pensait que cela aurait été facile, mais la défaite face à un seul pirate nous a tous humiliés. Bien que l'on souhaite vengeance, mais tu as gagné non seulement la victoire, mais bien aussi notre respect. Car t'es le seul pirate que je connaisse qui est capable de couler un navire à toi tout seul. Je me rappelle, pour moi ce n'était pas vraiment un exploit vu que vous étiez le deuxième après mon retour. Sinon,
J'en ai coulé plus que tu y penses à moi tout seul. En gros, je ne les compte même plus tellement que j'en ai coulé des navires à moi tout seul. Tu es le pirate le plus redoutable et en plus, j'ai la conviction de ce que tu dis va se révéler une victoire considérable. On va continuer la réunion. Peut-être des petits passages que je vais peut-être retravailler encore, il me semble. Celle-là, je l'ai encore. J'étais hésitant, si je me trompe pas. La mère reprend la parole et continue la réunion. La réunion s'achève. Avant de terminer la réunion, l'équipage de deux, vous allez pouvoir partir aujourd'hui. Et l'équipage, les équipes ou le convoi de quatre, vous allez pouvoir passer uniquement dans 4 jours. S'il y aurait eu une ou des équipes de 3, ils auraient passé dans 2 jours. Par contre, avant de passer, il y a quelque chose que je veux vous dire. En gros, ici, c'est qu'il y a conviction que le capitaine Flordelis, il va gagner, il va réussir les quêtes. Les deux, le crâne et le trésor. Par contre, avant de partir, il y a quelque chose que je veux vous dire. J'entends dire que le roi Oru est en train de préparer une armée navale pour exterminer tous les pirates. Soyez à vos aguets et si vous voyez un ou les navires du roi Oru, vous avez la permission de les couler. Dans le fond, c'est juste les pirates que vous ne pouvez pas. Que vous ne pouvez, sinon, allez-y. La mère nous donne l'énigme pour le coffre. Je vous souhaite bonne chance à tous et j'ai hâte de savoir qui va l'emporter. Maintenant, la réunion est terminée et vous pouvez aller sur vos navires et prendre la mer à la recherche de la victoire. Capitaine Fleur de Lys va voir le navire de Lys pour constater les dégâts. Capitaine Barbe d'Érable, Nature et la Moustache. Suis Fleur de Lys. Ah, capitaine Fleur de Lys, je suis. Ah! Ah! Ah, achat! Je me trompe pas, c'est ça. C'est le contraire. Ah, capitaine Fleur de Lys, je suis content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, Carly. Je peux te dire que ça fait longtemps que je n'ai pas vu le navire de Lys en cale sèche. La dernière fois que je l'ai vu, c'est il y a plusieurs années, lors de sa construction. Je peux dire qu'il est en bon état après toutes ces années. Les trous dans la coque ne me surprennent pas du tout après toutes ces batailles. Par contre, merci de me l'avoir amené, car je vais le réparer et ça sera comme neuf. De plus, je peux te dire que j'ai déjà vu pire comme coque en très peu de temps d'utilisation. En combien de temps? En pas plus de 2 mois et ce navire a plusieurs années. En gros, ici, c'est en pas plus de 2 mois. Ça, c'est faisant référence de ce qu'est-ce qu'il a déjà vu. Et ce navire, pour le capitaine, à quelques années. En gros, c'est une comparaison sur Fleur de Lys, le navire de Lys, sur son autre navire, que, en plusieurs années, puis 2 mois. On s'entend, c'est pas beaucoup de mois. Le capitaine Barbe Noire les avait suivis et fait son apparition. Ah ah! Capitaine Fleur de Lys, je suis content de savoir que ton navire de Lys n'est plus insubmersible. Alors, après ces quêtes, je te lance au défi de m'affronter dans un combat naval et je vais me venger et te faire couler comme d'habitude en coupant presque la parole. Tu m'énerves, ça fait trop de fois que tu coules mes navires et ça va continuer. Arrête de m'interrompre. Un peu frustré. Tu devrais retourner à ton navire maintenant si tu veux avoir une chance de gagner contre moi. Effectivement, je vais y aller. Mais je te préviens que c'est moi qui vais gagner. Premièrement, et on se reparlera. J'ai hâte de te couler, alors prépare le billet de ton navire de Lys.
Il quitte, bien sûr, pour rejoindre son navire. Pour rejoindre son navire, ce soir. Même s'il n'est pas écrit, je le rajoute. Désolé du dérangement, Carly. Ah, ce n'est pas un problème. Si le navire se met à sombrer, sache qu'il y a des chaloupes sur le pont, comme que tu es déjà au courant. Mais je serai toujours prêt à construire un nouveau navire aussi gros, voire même plus gros, toujours aussi rapide, et même plus rapide, et surtout insubmersible. Wow, je pense que j'ai oublié un merci. Mais de rien, car ça me fait plaisir. Mais une chose, ce n'est pas encore gratuit. Mais tu devras me payer 200 pièces d'or pour la réparation du navire. Et 600 de plus. Ça, plutôt aussi. Du navire. Pour la réparation du navire, 600 de plus. Et je te fais un nouveau navire. Es-tu d'accord? Bon, je pense que je vais le construire. Puis ma fatigue aussi. Il vaut pas de trop beau. D'accord. Et tu en rajouteras 200 de plus pour mettre le plus d'équipement possible. En plus de mettre la coque le plus solide possible. Alors, on y va pour 1000 pièces d'or. Et tu vas voir que ton navire sera au-delà de tes attentes. Je vais faire des tests et utiliser de nouveaux matériaux dont je n'ai jamais utilisé à présent. Oui, j'ai déjà utilisé ces matériaux, mais jamais sur un navire. Mais tu ne seras pas déçu, je te le garantis. J'ai hâte de le voir, mais la réparation du navire est plus importante pour l'instant. Est-ce que tu serais capable de réparer le navire en 4 jours? Ce n'est pas garanti, mais je vais essayer. Et si ton équipage m'aide, ça ira plus vite. Et ça ne te coûtera pas plus cher. Et si ça devrait me coûter moins cher, tu mettras l'argent pour le nouveau navire. D'accord. L'équipage du navire de l'Est s'est fait un campement près du navire pour aider aux réparations du navire. Beaucoup de navires dans cette phrase. Mais je m'en fous. Chaque capitaine retourne sur leur navire et Capitaine Nature propose à l'essai de venir sur son navire avec Molly Serena. Et il accepte. Par contre, il doit faire de quoi? Nature dit qu'elle l'attend et que les filles seront déjà sur le navire à l'attente. L'essai répondit, d'accord. Le capitaine Fleur de l'Essai se promène un peu sur l'île en cette belle soirée. Il se rend à un navire échoué depuis longtemps et quelqu'un arrive derrière lui. Capitaine Fleur de l'Essai, comme que l'on se retrouve. C'est le Félix, toi qui étais un capitaine autrefois. Ça, oui, et même redoutable. Mais pas aussi redoutable que toi, par contre. C'est sûr, le pire dans tout ça, c'est que tu as été dans la même région avant moi. Que s'est-il passé? C'est une longue histoire, juste parce que je ne veux pas la raconter. Dans le fond, ce n'est pas une si longue histoire, mais je veux te le dire. Tu sais cette épave? C'est l'épave du premier pirate qui est venu sur cette île il y a bien longtemps. Une certaine légende peu connue y aurait appris la piraterie dans une région bien secrète dont il l'aurait appris à la dure. Un peu comme nous, car il a sûrement été dans la même région que nous avons été. La légende dit que quand il est arrivé sur cette île, par accident, à cause d'une tempête, il aurait échoué ici même. Au lieu de quitter cette île avec plein de ressources, il décide de vivre sur cette île. Il a pris la mer après la construction de la ville terminée, mais il revient peu de temps plus tard. Ça dit aussi qu'il y aurait un passage secret qui mène à une salle secrète dont seul
les personnes qui possèdent la clé des secrets cachés a le droit d'y entrer. Si la légende est vraie, alors il est sûrement à la taverne. Ça, par contre, la légende ne dit rien sur ça. Ça, c'est Capitaine Fleur de Lips, ça, c'est l'autre personne. Peut-être, mais dans cette région mystérieuse, je suis une légende. Moi, je ne le suis pas. Alors, on voit la personne qui s'occupe de la taverne. Delys et Félix se dirigent vers la taverne. Capitaine Delys va voir la personne qui s'occupe de la taverne. Salut, il n'y a personne dans la taverne ce soir? C'est normal, tout le monde est parti à faire la quête. Comment puis-je vous aider? C'est pour dire que j'ai la clé qui scelle les secrets cachés. D'un coup, la personne se dépêche d'aller fermer la porte de la taverne et faire signe de venir. C'est la première fois que l'on me dit cela. Je suis le gardien de la porte qui scelle les secrets cachés. La personne va chercher un instrument et il le donne au capitaine de l'île. Voici un instrument pour vous. Voici un instrument pour ouvrir la porte. Capitaine Fleur de Lys dit merci et commence à jouer de la musique. Trop petit. Non, c'est pas trop petit point. Point de suspension. Une porte secrète. Ça c'est dans le prochain chapitre. Une porte secrète s'ouvre par terre. Entre dans le passage secret. Il va dans une salle secrète. Il y a une lettre. Autre chose que je peux rajouter. Capitaine Fleur de Lys, je vous laisse lire là. Ce passage. Ensuite, fait la quête. Va. Qui était dans un commentaire, on me l'a demandé pour une forêt enchantée. On m'avait demandé aussi pour une sorcière, ça arrive bientôt. Inquiétez-vous pas. Si vous pensez que je disais, donnez-moi vos commentaires, c'est ça, vos idées, je vais le mettre, inquiétez-vous pas. Ça s'avérerait que c'est naval. Mon inspiration, ça allait bien. Qu'est-ce que vous dites? Les suggestions? C'est juste à donner comme ça, si on se souvient bien. Et j'ai pas oublié. C'est juste que une histoire, faut la raconter complet et correctement. On s'en fout correctement, honnêtement là. Honnêtement là. Honnêtement, une histoire, là, oui, c'est toutes les étapes, mais tu peux ne pas respecter les étapes, là. Je s'en fous des étapes, mais les étapes, c'est juste un plan, comme on se pourrait dire. Pas un plan, mais un schéma. Une structure pour fonctionner, mais après ça, faites ce que vous voulez, là. Vous écrivez une histoire comme vous voulez, dans le fond. Mais, vous pouvez voir. Clairement, qu'est-ce qui va arriver un peu? C'est juste des mots-clés, mais vous ne savez pas le reste de l'histoire parce que vous allez savoir dans la prochaine vidéo, dans je ne sais trop combien de temps. Ça ne sera plus à chaque mois parce que, tu sais, la dernière fois que je l'ai fait, c'est au mois de juin. Hein. J'ai lu la chapitre 2 au mois de juin. Puis nous sommes au mois d'octobre. Désolé, des fois ça ne tombe pas trop d'écrire, des fois c'est juste ça, juste pour vous dire. Des fois ça me dérange pas d'écrire, mais des fois ça ne tombe pas d'écrire. Mais par contre, j'ai écrit un petit peu en septembre, dans le fond j'ai rien fait au mois d'août, ou sinon j'ai écrit un peu au mois d'août, un peu au mois de septembre, puis le restant pas mal récemment au mois d'octobre. Alors pour ça va être tout pour aujourd'hui, comme d'habitude, c'est plus de 2000 mots. Ouais, tout ça c'est plus de 2000 mots. Bah, c'est 2326 mots, mais t'enlèves qu'est-ce qui est en bas, ça fait environ 2200, entre 2200 et 2300 mots. C'est quand même pas mal, c'est à peu près qu'est-ce que je veux atteindre à chaque chapitre, plus de 2000
Bon, peut-être plus de 2200. C'est une norme que moi je me donne moi-même. Parce que si tu veux, un chapitre peut être juste une phrase. C'est tout. Puis oui, j'en ai fait là-dessus. Puis vous sûrement aussi. Même un mot. J'ai même déjà vu un chapitre. Un mot. C'était tellement rapide. Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo de l'histoire de la légende du Capitaine Fleur Délice. Cette aventure, plutôt, que vous avez aimé cette aventure. C'est complètement une adaptation, vraiment, là. Pardonnez-moi aussi, je suis encore désolé pour la fatigue. Malgré ça, c'est bien passé entre toi, c'est le début qui était plus rough, tout ça. Je suis fatigué tout simplement, en ce moment il est 1h30 du matin. Et juste pour vous dire, je vais me coucher après ceci. Ouais, je dis pas la date par contre, de toute façon, la vidéo est sortie, elle va être sortie aujourd'hui le 28 octobre 2018, c'est dimanche. À moins que j'ai des mauvaises dates, mais je m'en fous en cela. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'essai. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook. Facebook. Mon Dieu. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien sur le bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Si vous voulez être au courant aussi de tout, peut-être pas tout là en détail, mais approximatif, de l'horaire des vidéos, qui c'est titre, je vous dis titre, puis parfois même la date exacte. Si vous voulez savoir, être au courant des prochaines vidéos, quand elles vont sortir, je vais le mettre à jour pour les vidéos du mois de novembre, je vais le mettre à jour. Ben, faut que j'écris des affaires. Faut que je pense à qu'est-ce que je veux mettre. Mais vous pouvez toujours me suivre l'horaire, soit sur Discord ou encore bien sur mon site internet dans la section horaire des vidéos. Même affaire pour le serveur Discord, c'est horaire des vidéos. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure accompagnée de votre cher Captain Fleur de l'essai. Puis ne se quitter, dormez. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.